Ah bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming hein, pour la suite de l'épisode avec Maître Bob. Mec, viens voir! Mettez un pouce bleu! Ouah! Pourquoi il y a autant de caisses là? Il y a, à mon avis, mec, il y a un équipage qui nous a lâché des caisses ici. Qui a lâché genre toutes ces caisses parce qu'ils savaient pas quoi foutre. Mec, on va aller arracher tous les cochons de la planète. Je vais t'en mettre partout sur ton pont, tu vas kiffer! Ça va être génial, hein, épisode pour moi, quoi. Ah, c'est parti, hein. Ça va être l'épisode safe, mettez un pouce bleu. Ouais, je lui demande jamais, mais là, faut là, que je... là mais ferme-la, gros. Une entreprise, quand même. Ah bah là, là l'entreprise de cochon, mon pigret, il va être jaloux, hein. Il va dire, putain, vous avez fait l'entreprise de cochon sans moi, de bâtards, vous êtes que des bâtards, tout ça, quoi. Ouais, là, c'est cool. Exploitation de cochons. Et tu feras attention, il y en a un derrière son bureau aussi encore. Hein. Il y a du cochon. Hein. Oh, mec, on va ramasser des cochons, mais à la tonne, ça veut rien dire. Des tonnes et des tonnes de cochons. Ah oui, encore une cage derrière. Il n'y en a pas une, il y en a deux. Il y a encore deux cages derrière la meuf. Wesh, meuf, faut que je passe derrière toi. Hein. Il nous manque deux cages de cochons. Mettre. Oui, je les ai empilés. Il faut montrer qu'il y en a plein. Il faut bien je voir. Prie, hein, vas-y, le temps que je me bats, essaie de choper les deux dernières caisses. 40 minutes de VOD, c'est parti. Comment attraper deux caisses derrière un comptoir? Astuce et Solus, Bike Narfang. Voilà. D'ailleurs, qu'est-ce que tu vends? Alors, il en reste combien à prendre? Je suis toujours un clochard, c'est un problème. C'est un problème, je suis toujours pauvre. Bah deux, mais je crois qu'elles sont là, elles sont inattrapables. Elles sont vraiment derrière son comptoir, c'est vraiment au chaud. Ah, j'en ai une. Tac, il en reste une à choper. Ah non, mais la dernière à choper, je la vois pas du tout. Elle est complètement si à gauche. Ouais. Faire un... Petite jump. Il y a l'armée de cochons. Hein. L'armée de cochons. Tu fais des moves, tu fais des tricks de ouf. T'as fait des tricks de ouf ou quoi? Je travaille le pixel. Ok, t'es dans la frame. Ok. Tu testes où est-ce que tu peux. C'est ça. La hitbox. En passant par les barils. La hitbox quoi. Là voilà. Hop. Ça passe là! Allez! Voilà, j'y suis presque. On peut pas se mettre accroupi ou quand même comme ça? Pousse-moi! Attends, Oh, j'ai gagné un pixel. J'ai gagné un pixel, gros. Oh putain, j'ai gagné un pixel, mais c'est pas assez. Je pense que faut vraiment tâter le truc sur le. Depuis les tonneaux, faut faire le tricks vraiment du tonneau, mais faut bien sauter direct à mon avis à partir du tonneau là. Il y a les requins qui s'accumulent autour du bateau, je dis putain je vais en niaquer un. Tu sais, je l'ai vu foncer depuis le bateau, je vais le niaquer l'autre. Ah, putain, oui, il a... Ouais. Là je pense que tu vois, faut... Dans l'eau, ah, faut sortir un tricks à partir de là, tu vois. Et là, paf, échelle, et le requin est dégoûté, évidemment. Et il fait demi-tour et il a le mort. Tu vois, c'est compliqué parce que j'ai l'impression qu'on peut vraiment pas se mettre sur le côté de son comptoir. Je crois qu'il va te niaquer. Hein. Là, il va te niaquer. Là, ça va faire niac. Même pas, il est parti de l'autre sens. Il est trop salé. Il est trop salé. Regarde-le. Tac, je suis sur l'échelle. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Et voilà, t'es trop salé. C'est un requin au gros sel. Vous connaissiez le gros sel de la là, baleine ce coup-ci. Ah, quand on est sur l'échelle, il fait rien. Mais connaissiez-vous montagne de sel du requin? Après le sel de la baleine. Là, techniquement, ça doit passer quoi. Ah ouais, mais bon, c'est de connasse, non voilà, les hitbox, tu vois, c'est. Ah, la hitbox. La... Bon, on laisse une cage? Bah ouais, ça va finir comme ça. Ok. Donc t'as étalé ça, oui d'accord, t'as vraiment étalé ça sur le pont. Attends, je vais en remettre un peu plus dans ces cas-là. On est à 9 cages, je crois.
Ouais. Non, ça, c'est peut-être. Ah, c'est peut-être des mecs aussi qui se sont amusés à spammer. Parce que tu peux spammer ton titre de marchand, tu sais, en achetant des quêtes. Tu peux gagner des grades comme ça. Genre, t'achètes des quêtes, tu revends tout de suite tes. Enfin, tu annules tout de suite tes quêtes. Et tu peux débloquer comme ça des titres qui donc te donnent de Sérieux? l'influence auprès des marchands. Ouais, tout à fait. Regarde, si tu fais. Si tu fais ton truc, bah, par exemple, de marchand ou n'importe lequel. Bon, il y a terminé, gagner des pièces d'or, hein, naviguer. Bon, t'as navigué sur 70 000 nautiques, donc ça, faut naviguer avec des quêtes actives. C'est pour ça qu'il vaut mieux les activer tout de suite. Voilà, acheter 25. Voilà, le grade 2. Donc, marchand aventurier, acheter 25 voyages de l'Alliance des marchands. Voilà. Donc là, tu peux spam. Moi, je suis à 11 sur 25, par exemple. Mais tu peux spam. Je peux en acheter 3 par 3. J'en pose 3. On en valide 3. On les supprime. On les annule, enfin on annule nos marchands, nos trucs et tout. Et pendant ce temps-là, tu peux t'amuser, bah pendant ce temps-là, à récupérer les cages, les stocker sur ton bateau. Bah C'est un oui. peu cheaté quand même, pour le coup. Voilà, bah c'est. Bon après normalement c'est des trucs à faire dans le temps, mais là je pense que littéralement c'est des gens qui ont cheat, puis ils se sont amusés, ils ont stocké ça, puis après il y a un mec Bien sûr, qui il a. y a quelqu'un que ça rend heureux, c'est toi. Bah, c'est surtout qu'il y a un mec qui a dû voir 10 cages, il a fait non mec, on va aller faire autre chose. On va aller jouer à Pokémon Go, ce sera moins long. On Ça prend sera des plus coups, intéressant. j'imagine. On va où du coup là? Bah, je pense qu'on retourne sur Cannon Avant Cove, tout hein. Je ça, sais qu'il y a un million de cochons, tout du moins sur Cannon Cove. Je crois ouais, bah que c'est des oui, tout à poulets et l'heure des on en cochons, a je vu crois pas plein, qu'il y ait ouais. de serpents. Si j'en ai croisé quelques-uns. Ils étaient rares, mais j'en ai vu quelques-uns. D'accord. Parce que Au voilà, je pire, pense il me manquera que. ça, quoi. Là, on a quoi ici? Wanderer's Refuge. On était passé par Twin's Grove, donc Twin's Grove aussi, je sais qu'il y a. Donc on sait que sur Cannon Cove déjà on sait qu'il y a un trône. On sait qu'il y a un trône sur Cannon Grove. Ça on le sait. Et il est. C'est un. Ouais, c'est celui où il faut avoir. Faut deux culs. Faut deux culs, faut deux culs, faut deux équipages différents. Sudoku. Sudoku. Donc sur Twin Grove aussi, il y avait quelques cochons à la limite, donc ça peut se faire. Sinon la quête nous exige quoi? Un serpent à écailles noires. Donc ça c'est le full noir et rouge je crois, ou full noir. On a juste les lanternes ici qui sont allumées. Tac, je vais les cut. Un cochon noir C'est pas la et direction un du cochon coup? doré. Cannon Cove, t'es dessus là? Enfin je crois que tu y vas. Ouais, un peu plus à droite, Bah non, Cannon Cove. Un peu plus à Ouais, droite, d'accord. tu dois le voir, c'est le gros caillou là à droite, droit devant à droite là. Ah, le gros caillou avec des arbres. Oh, je n'ai jamais fait gaffe qu'il y avait une lune dans ce jeu. Il y a une lune dans ce jeu. Ah ouais. Ah ouais. On dirait Bon, une pas lune. une lune, mais Mais dans ce jeu quoi. Les mecs vachement originaux quoi. Ouais, alors, Elle est franchement, dégueulasse, je trouve dur. que la lune, on dirait vraiment une lune. Une lune, quoi. Non, elle est dégueulasse. Non, Elle est vraiment, elle est dégueulasse, je veux dégueulasse. dire, un vieux fromage. Regarde la loupe, enfin la longue vue. Ah, mais même sans la regarder à la longue vue, hein, on dirait une vieille bulle de savon Kratos. À la longue Ouais, vue. c'est vrai, bah ouais. Ouais, c'est un À peu la ça. longue vue, c'est une tache. Je pense qu'il y a un collègue qui s'est fait choper en train de se fapper sur son bureau. Ils ont fait, ah ouais! Ils ont pris une goutte en photo au Pas microscope mal. et ils ont fait tiens maintenant t'es dans le jeu connard. Et à ce qui paraît tout le studio a Ouais. tellement adoré que maintenant ils sont tous en train de se faper du matin au soir. Voilà. Nice. Et qu'invente une vie au scénariste. C'est safe. La C'est vie bien des la vie de scénaristes c'est commère. safe. C'est clair. Fait y tomber. Le commérage, c'est génial. C'est bleu. On va vers le quai intérieur, qu'est-ce que t'en penses? Le quai intérieur, un peu plus à gauche. Allô? Ah, t'es au tambour. Ouais, on va bien au tambour. Je trouve pas ça dingue le tambour pour le coup. Et Surtout si, qu'au lieu si, de nous si. mettre un vieux tambour tribal, ils auraient pu nous mettre le tambour à baguette, quoi. Le vrai, quoi. Celui de l'armée, celui du conquistador. Celui qui déchire. Elle est dans la petite. Ouais, c'est ça dans la crique. Ouais, sort le crique, frère.
Est-ce que tu veux que je te réduise un peu de voilure? Oh, bon, il fait ça tout seul. Formidable. Je vais te pivoter la voile parce que tu vas bientôt avoir le vent plus sur la gauche qu'autre chose. Voilà. Je te rentre complètement la voile là pour faire ton demi-tour. Bah, je vais te l'ancre sinon. Tout de suite là? Ouais. Et si je vais plus loin, on va se croiser dans le truc. Certes. Bon bah c'est parti, cochon, serpent, tout ça. Ah oui, normalement si, il y a des serpents sur... Même si on regarde pas la liste, je pense qu'on aura forcément pris le bon. Noir et or. Donc de préférence, noir et or. Donc cette fois-ci, une fois qu'il y a des cochons sur le bateau, faut entretenir les cochons. Ah ouais, Ouais, c'est les cochons, hein. Chier. Pour ça qu'il vaudrait même mieux commencer par le serpent, à la limite. Ah bah c'est bon, t'as le doré. GG. Mais de toute façon, t'as qu'à t'aider, je vais rester dessus. Bah tiens, je vais choper un tir ce cochon. Du coup, je le laisse sur la plage. Hein. Mais non. Pour le coup. Enfin, ouais, laisse-le sur la plage, je vais le monter. Mais viens ici, petit bâtard rose. Ou alors tu restes au bateau, quoi. Ouais, c'est ça, je vais les charger sur le bateau, TKT. Attends, je vais fermer ma fenêtre. Ouais, je vais juste en prendre un vite fait. Allez-vous, moi, j'ai oublié. Hein? Ah, mais c'est magnifique, il y a un baril de poudre ici. C'est incroyable. Lol, il y a un baril de poudre, cool. Je prends des bananes. Y en a même par terre dans le sable, tout ça. N'hésite pas, même à lâcher tout de suite une banane au cochon, comme ça te fout la paix. J'ai oublié de prendre une cage. Ah, c'est bon, j'ai chopé mon cochon. Je vais m'occuper des cochons donc et de charger le navire. Parce que je pense que c'est important de faire un let's play à base de cochons. Mmh. Et là, y'a plus de cochons, c'est ça? C'est suivant, restez sur l'île obligé, mec. On a croisé deux cochons, quoi. Par contre, chose importante, vraiment, le serpent. Va falloir tasser les cochons dans un coin parce que le serpent, on va pas pouvoir se le mettre vraiment au même endroit que les cochons, hein, sinon ça va être problématique. Hein. On va vite avoir. On va vite avoir beaucoup de cochons donc. Bah, le serpent, on peut le mettre là-haut. Hein. C'est ça, j'aurais pensé sur. Ah oui, la vigie carrément. Waouh. Moi, je l'aurais mis à l'arrière du bateau sur. Là-haut, à côté de nous. À l'arrière du bateau. Ouais, sur le toit. Sur le toit, ouais, derrière. Parce que j'ai peur que, en fait, le jeu étant vite décidé, que parce que le serpent est juste au-dessus, en fait, il crache son venin, ça tombe en bas, ça touche un cochon, le cochon est mort. Voilà. Ouais, c'est pas déconne. Ouais, c'est le genre de truc. C'est le genre de truc moyen, ça m'intéresse pas, quoi. Tu sais comment ce jeu, des fois, est stable 0. Si, il est stable dans sa connerie. Oui. Ça, c'est vrai que c'est un Payday 2 en puissance. Un petit cochon noir. Bravo, monsieur. J'avais vu un baril. Ouais, ici. Nice. Pouf, pif, pouf, pouf, paf, pif, paf, pouf, paf, paf. Paf, pouf, paf, pif. Ah, j'entends faire gruc, gruc, pas très loin. Ah non, les mecs, j'ai un tonneau dans les mains. Non. J'ai un baril. Voilà, casse-toi. En sachant que je te rappelle que les cochons, plus tu les vides de l'île, que tu les tues ou pas, hein, comme n'importe quelle bestiole, ils repopent. Hein. Ouais. Tout repop. Par contre, nourrir 9 cochons, ça va être l'enfer, mon gars. On a vite intérêt d'aller quelque part, parce que sinon, ils vont nous vider les bananes à une vitesse. Ça va nous faire chelou, mon gars. Crois-moi bien, même moi, je crois que je vais pas kiffer. Hein. Putain, c'est... Attends. C'est un merdier. Il y en a un sur la plage, là, tu la récup? Il y avait un cochon noir. Je cherche, là. Je crois qu'il est glitché quelque part. Non, non, il est genre par là. Ah, il est là. Il est là, il est là. Je l'ai. C'est bon, tu l'as.
Ah, ça c'est des poulets. Poulets. Puis quand il y en a un qui va crier pour une banane, lequel c'est qui va crier hein? On ne sait pas. Ah bah tu te rapproches de celui qui crie le plus fort dans tes oreilles. Hein. Hop. Oh merde, voilà. Je bénis une cage. J'aime jouer à attrape cochon simulator. C'est génial. Vraiment, vraiment j'adore. C'est vrai qu'il l'a voulu. Hein. T'as pas dit non. Hein. Mais qui se renvoie la balle. C'est de ta faute. Non, non, c'est de la tienne. Oui, t'as dit oui, non. Bon, il reste encore un cochon dans la hauteur, là, mais bon. Là, si tu passes derrière moi, là, en haut, il reste des cochons. J'ai entendu un grouille-grouille, comment. Voilà. Là, je vais monter ce cochon-là. Je vais leur donner à manger. Je vais débarquer les cages qui restent. Du coup, j'ai pas croisé de serpent par contre, tout à l'heure. Peut-être pas encore, mais ça va venir. Hein. Mais je suis pas sûr qu'il y en avait ici. Sur Shivrek Bay, sûr, il y en avait. Ouais, non, même ça. Pas sûr, je crois ouais, que c'était des ça. Poulets et des cochons. Même pas, je te dis de la merde. C'était l'île d'avant, là où il y avait le croque-mitaine, là, le squelette. Si c'est celle-là, il y avait des serpents, sûr. Je sais même plus sur quelques. Bah là, où on a frité les squelettes, c'était ici. C'était Cannon Cove. Ce que je t'ai même dit, il y a des squelettes, du coup, le voyage de squelettes, c'est sur. Je parle du croque-mitaine, moi. Croque-mitaine. Là, on cherchait les os, quoi. Ah, il y avait des serpents à cet endroit-là. Ouais. D'accord. Bah oui, c'était Shipwreck Bay alors. Tout à fait. Et ben un deuxième cochon doré, putain, on va brasser de la thune. Parce que le cochon doré, c'est ce qui vaut le plus de fric. Hein. Ah, le cochon doré, c'est quand même l'amour. C'est un peu le coffre du capitaine, quelque part. Tu vois, il y a des coffres posés, comme ça. Ah, t'as trouvé un coffre, comme ça? Non, je crois pas qu'on puisse le prendre. Ah bah si, si on peut le prendre. Si si, t'as trouvé un coffre. Des fois ça arrive, tu les trouves comme ça. Donc quoi, t'hésites pas, tu me le ramènes. Je le pose sur la plage, là pareil. Non mais il était tellement posé en mode normal, tu vois, que pour moi c'était pas normal. Tu t'es dit, il fait partie du décor. Bah, te rappelles-toi, c'est la dernière île là qu'on a fait, je sais plus quelle vidéo, mais où on a trouvé 1 million de coffres sur la même île là. Je t'ai trouvé 2 coffres de capitaine au même endroit. Ah, il y a un petit cochon rose juste à côté de la passerelle, à savoir. Si vraiment tu trouves pas de cochon, tu prends celui-là, mais c'est pas le plus intéressant. Hein. C'est celui qui vaut le moins d'argent. Donc. J'en vois pas d'autres. Oh, bon, fais un petit tour d'île, hein. Tu vas en trouver. Hein. Irai pas. De toute façon, vu qu'il faut trouver un serpent aussi. Oh, bah ici, il y en a pas, c'est sûr. Beaucoup, là. Et là, je vais monter sur le navire. J'ai perdu tellement de temps que je suis sûr que j'entends gueuler du cochon. Gris, que je meurs de faim. Non, ça va encore. Mais ces petits cons. Il reste combien de cages à remplir comme ça là? 2. Pour l'instant les cochons ça a l'air de rouler. Ah oui c'est... Ah ben non c'est F, excuse-moi, je vais prendre mon cochon. Moi le capitaine cochon. Ce que j'ai pas regardé aussi c'est où est-ce qu'il faut amener tous ces cochons. Parce que cochon et serpent, faut qu'on l'amène. C'est pas forcément la avant-poste d'où on vient. Tac. Avant-poste de Sanctuary. Sanctuary, c'est celui de l'ouest. Non, on est à l'ouest. C'est celui de l'est. C'est celui qui est plus haut encore. Ouais, c'est celui qui est plus haut. Ouais, c'est là. Oh, ça va. Franchement, le bateau est déjà dans le bon sens. Ça sera tout droit.
Par contre, je vais commencer à effacer des ronds parce que c'est le bordel. Quel pilote. Quel pilote incroyable. Est-ce que tu veux que je te débarque la cage de serpent? Bah non, non, j'en ai vu que deux. Là, pour le coup, j'ai fait deux fois le tour de l'île, là, j'ai vu zéro serpent. Zéro serpent? Bon, on ira ailleurs. Niveau cochon, t'es comment? T'arrives encore à en trouver? Poule. Ah bah ça y est, je viens d'en trouver un. Et si toi? Ah, ça y est, bon, si ça commence. Encore. Alors, vas-y. Et quelle gueule? C'est toi? Voilà. Alors, putain! Mais connard! Qu'est-ce qu'il y a? Un cochon visiblement qui est mort de faim pendant que je suis cherché le baril de poudre que j'ai pas entendu. Et un nouveau cochon à reprendre. Et tu peux me détester, t'as le droit. C'est légal. Alors, normalement, les cochons qui meurent de faim, tu les reconnais parce qu'ils s'assoient, même si tu sais pas identifier lequel c'est. Il s'assoit dans sa cage. Quand il queen, tu meurs de faim. Donc là, il m'en reste 6 et c'est un cochon noir, je crois, qui est mort. C'est vrai que c'est un peu chiant. Mais c'est que ce café est encore bien chaud, ça fait plaisir. Je vais me rouler une petite clope du coup, hein, parce que c'est safe comme vidéo. On a le temps. Voilà, donc lui là, hop, il meurt de faim. Mais mange ta banane, bâtard! Mais. Et on a pas mal de bananes ou pas? Bah oui, mais. Pourquoi tu veux pas la prendre ta banane, enculé? Peut-être les cages qui sont trop prêtes. Les unes des autres. Ouais, je. Non, je. T'as deux cochons sur la plage actuelle. Il faut vraiment que je sois. Ah, d'accord, j'arrive. J'arrive. Du coup, je peux lui donner une. Donner une banane. C'est R. Ça c'est un peu chiant, c'est il faut vraiment être des fois sur la cage pour pouvoir lui donner son truc. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est valide de lui donner la banane que si il t'affiche aussi ramasser la cage. Et en fait, je viens d'apercevoir que ces connards de cochons, voilà, c'est ça, ne queen pas toujours avant de crever. Des fois, il s'assoit juste et il crève. Voilà. D'accord. Donc, faut littéralement garder un œil dessus. Ou est-ce que c'est pas parce qu'il y a plusieurs cochons au même endroit et le son il bug? Je sais pas. Ou alors ouais, c'est peut-être ils oublient de mettre du son parce que du coup il y en a un qui fait gruic gruic et pour pas que ça fasse des gruic gruic en même temps partout comme si t'étais dans une cochonnerie. Du coup, je suis obligé de les garder sous les yeux là. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 cochons. Oh là là, c'est les 9 cochons de l'anneau quoi. C'est ça. Ah bah je viens de trouver une cage à. Un poulet. C'est une cage à quoi ça? Si elle est toute carrée, si elle est toute carrée, c'est une cage à poulet. Donc ça te laissera l'occasion de t'en choper un doré, légendaire doré. Il y en a que je vois pas là. Faites gaffe les cochons, faites pas les cons, je vous vois. Essayez pas de crever, hein. Sinon je vous bourre du groc dans la gueule, hein. Est-ce que c'est clair? Du coup, on a 3 cochons dorés, un cochon noir, 3 cochons à taches roses et 3 cochons roses. Pour oui, un baril ici. Ah! Le mec il découvre tellement de trucs. Non, mais les barils qui popent plus vite que les cochons sur l'île, lol. Ça pousse du sol en fait. Les barils, ça pousse dans les terres fertiles de Cannon Cove. C'est bien connu, c'est pour ça qu'on l'appelle Cannon Cove en fait. Il produit de la poudre à canon et des obus. T'as des cocotiers au lieu d'avoir des noix de coco, ils ont des obus. C'est ça. Ah, tu vois, toi tu dis rien, petit bâtard. Mais voilà, je t'ai grillé, petit bâtard. T'as un cochon sur la plage. J'arrive. Ah, c'est un tout petit rose, dommage. Arrêtez bien, noir. Il nous a ramené un peu de pognon. Plus de pognon. Ah, j'entends aussi que tu te fais des amis. Ouais. Non, mais le mec me vise pas, il me touche. Ok, normal.
C'est ce jeu, j'adore. Ma passion, c'est le cochon. Je me trompe pas. Il était bien là. Ah. Donc du coup, on attend un poulet et... J'ai un cochon qui est assis, connard. Mais hé, hey, bouffe ta banane, bâtard. Ferme-la. Il y a un peu de collision avec les cochons, je suis pas fan. C'est un peu compliqué à nourrir un cochon, en fait. Faut vraiment être bien... bien sur la cage. Je pense que c'est le fait qu'il y ait plusieurs cages... Non, même pas, ce que je laisse passer, c'est vraiment, faut limite avoir en fait ton viseur, mais vu que t'as pas de viseur, mais il faut avoir le viseur sur le cochon et pas sur un barreau de cage du cochon. D'accord. Ouais. C'est toute la chiantise du problème. Ah, ouais, mange. Ouais, vas-y, mange. Allez, ça, ils vont commencer à tous avoir faim les uns après les autres. Je suis bon pour aller chercher des bananes. Ça tourne en rond. Tu me crois si je te dis que on a déjà passé une dizaine de bananes ici? Ah bah oui, non, mais ça m'étonne même pas. Hein. Moi, je pense qu'on n'arrivera pas à la repasse. Hein. Si, il est à côté. Je crois que tu arrives, c'est vachement à côté. On a combien de bananes dans le bateau? Large. Large, on a encore presque une trentaine. Plus celle que j'ai sur moi, donc on a une trentaine, une bonne trentaine de bananes. T'as un baril sur la plage, en fait. J'arrive. Baril ensoleillé, coquillage et crustacé... Doré la poule. Ouais, doré de préférence, ouais. Celle qui vaut le plus de pognon. Sinon après noir, sinon après la rouge et blanche, donc la tachetée. Et puis enfin la blanche, quoi. Celle qui vaut le moins. Vous avez la forme, les cochons, faites pas chier. Voilà, officiellement ça y est, il n'y a plus aucun cochon sur Cannon Cove, et il n'y en aura plus jamais. C'est sympa ça. C'est bon, t'as ton poulet. Ok, nice. Il ne reste plus qu'à trouver un serpent. C'est ça. Mais si on peut déjà livrer les cochons, ça serait pas mal. Bah ouais, il y en a un qui gueule là. Tu vois, tu l'entends gueuler, moi pas tout de suite. Alors, c'est peut-être parce que j'ai un peu de délai, mais... Ouais, probable. Est-ce que le poulet, on peut l'appeler maître coq? Serpent. Globalement, on va en nord-ouest de toute manière, quoi qu'il arrive. Ouais, l'avant-poste en premier. Hein. Tu vois, je te l'ai marqué. On peut pas trouver des serpents sur l'avant-poste, direct? Non, il y a jamais aucun animal sur les avant-postes. Et comme ça, on les décharge déjà. Ouais, ouais. C'est sinon, on va se faire chier. Et puis ça va bouffer toutes nos bananes. Ce qui est déjà le cas, ils sont déjà en train de tout bouffer. Regardez-le. Il est fier parmi ses cochons. Et mon poulet, à mes pieds. Là, il est OP le mec, hein. Il est au petit et tout, hein. En un cercle et tout. Avec... Je suis trop content. J'exprime mon entière satisfaction. Je danse avec mon poulet, sous ma cloche. Comme un gros glandus. Oh puis alors là, avec la houle, mon gars, pour donner à manger au cochon, va s'éclater. J'espère que personne n'a le mal de mer. C'est à droite ou à gauche? Non, merci. C'est à droite. Ouais, allez. J'y crois à mort. Ah, il y en a un là. À mort, la mort. Voilà, c'est bon. Chercher des bananes. Y'a aucun qui s'assit, bande de petits. Si, y'en a un qui gueule.
jambon au goût banane. Ah, il y en a un autre qui va gueuler. Et aussi. Et c'est bon. Tu calmes, je viens chercher des bananes. J'espère que t'as le plein de bananes sur toi. Il nous en reste plus que 16 dans le tonneau. Ah, ça sent la liberté. La liberté de penser. Nous vraiment du côté du marchand, je pense. Faut que tu fasses le tour. Je vais encore te laisser faire tout le taf, débarquer les cochons, comme ça je vais surveiller ceux qui crèvent de faim entre deux. Ah, belle manœuvre, monsieur, bravo. Très beau move. Il nous manque juste l'accessoire rampe pour la faire tomber sur le quai, on serait trop bien. Ça serait cool. Vas-y, vas-y, livre du cochon. Il y en a un qui gueule. Je sais pas lequel, il y en a un. Lui là. Je suis qui est juste à tes pieds là. C'est bon. Il est géré. Vas-y, livraison de cochons. Ah oui, c'est vrai qu'ils aiment pas apnée les cochons. Ils sont pas fous fans quoi. Cochon. Allez, 1731 le cochon. Wow. Ils ont tous fait gruic-gruic en même temps là, chez moi. Le cochon rose de base, il vaut tellement rien. Il vaut que dalle. C'est vraiment le cochon de la gratuité, quoi. Ouais, c'est parce que c'est la quête, hein. Là, un noir et un doré. Hein. C'est pour ça qu'il paye. Quoi. Même pas le prix de la cage. Lol. C'est la vie. C'est 120, il a coûté le dernier. Ah ouais, parce que, ouais, parce que c'est plus la quête. Qui meurt de faim là. Pas chier. Hein. Surtout toi là. Fais pas chier celui. C'est toi qui vaut le plus de pognon. Allez, une banane pour la route. Allez, une banane pour la route. J'en prends un. Je laisse prendre l'autre. Hop. Le cochon en apnée. Faites pas chier. Hop. Allez, le zébré 160, tu vois. Bon, ça vaut son tonneau de poudre quoi. Hors quête, ça vaut un tonneau de poudre. Bon, c'est pas vilain non plus quoi. Surtout que ça te rapporte du point avec les marchands, quoi. Surtout ça qui est cool. Ouais, c'est ça aussi, ouais. J'ai commencé à te livrer du baril de poudre en bas. Paf. Ouais, c'est vrai qu'on a ça. Normalement, c'est sur le pont en bas, là, ça fait rien de ma part. C'est bon. Je peux sauter direct. Hein. Hop, ouf. J'ai cru que c'était un baril qui tombait dans le haut. Oh, le lancer de baril quoi. Ah, c'est ça. Mec,
qu'il lâche plus les barils, il lance quoi. J'ai fait un que j'ai fait, ah non, c'est pas un baril. Oh, c'est roux, c'est habillé en rouge, c'est pareil, hein. Aucune différence. on a ce coffre à vendre, pas de crâne, et je crois qu'on est bon. Hein. Plus il nous faut des serpents, non ? Qu'est-ce qu'on approche d'ici ? Il y a un coffre. Quel haut fort. Rapière quai. Tellement petite cette île d'ailleurs. Ouais, mais c'est pas grave, si c'est sur le chemin, j'ai envie de dire, on peut tâter sur le chemin. Bah, on peut aller où on veut là en fait. Hein. Ouais, faut tâter sur le chemin. On cherche un serpent quoi. On est sur le chemin. Collectionneur d'or, allez, donne-moi un contrat. Merci. Okay, on n'a pas de chemin. Compte mes pièces. On va pas retrouver un serpent super bien sur un chemin. Tac. Lunkov. Ouais, ça fait plaisir, on s'est fait quelques bons points avec les marchands à se faire chier avec ces cochons. Et tu vois, quelque part, c'est un bon deal, puisque au moins quand tu reviens, même si tu fais pas autant de points qu'avec une quête, bah t'as farmé les cochons du Nil, tu reviens, t'es pas allé trop loin, c'est plutôt cool. Finalement. Ah là là. T'es sur le bateau ? Cochons du bateau. Non, pas encore. Je suis allé vendre le coffre d'aventurier, ramasser deux quêtes. Et je me suis planté de côté. Et c'était bien. Et on est là-bas sur la droite. Nice. Ah bah, au revoir monsieur. Je prendrai un taxi, TKT. Salut. Je vais prendre un taxi, t'embête pas. Je vais faire le plein de bananes tant que j'y suis. J'ai les voiles fermées. Hein. Non, mais vas-y, trace sinon, c'est pas grave. Hein. Je prends un taxi. TKT, c'est pas grave. Hop. Hop. Je suis en train de toucher en fait. Encore des trous, mais j'entends que ça touche. 24. Putain, c'est vraiment les crânes qui montent le moins vite, hein. C'est un truc de ouf. Hein. Parce que moi, globalement, je fais une quête de chaque là. Et les crânes, ça monte pas. Hein. Mais parce que c'est les quêtes les plus. Quelque part, les plus miskines, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que genre là tout à l'heure on a fait la quête, genre les coffres on a fait 3 coffres alors que là on a fait qu'un crâne et à part quand tu trouves je suis dessus au fait hein, si tu veux tracer. Ouais, ouais j'ai vu. Oui, on a déjà notre quête qui tourne, c'est vrai. Ouais, y a un trou à l'arrière. Ouais, je te le bricole tout de suite. Je crois que l'île que j'ai marquée, c'est là où il y a le crâne. Lone Cove, non. C'est pas une forteresse. D'accord. Ah oui, c'est vrai que c'est forcément une forteresse. Ouais, par contre, il y a un craquant dans le coin. Bon, on s'en fout, on est globalement vide, à part la cage de serpent. Globalement, on est vide. Non, c'est parce qu'il doit y avoir une île, il doit y avoir une forteresse. Ouais, ça, il y a Kraken Watchtower juste derrière, en fait. Derrière Lone Cove. D'accord. Donc, c'est de là-bas. C'est là-bas les embrouilles. Ça manque de musique. C'est pas faux. Je vais mettre de la touche. Allez, ça. On arrive. Ah, il est heureux. Déjà, il y a des cochons. Serpents, c'est bon, j'ai vu des serpents. On est au bon endroit. En fait, j'ai suivi une logique qui m'était personnelle à la base. Mais s'il n'y a pas de sable, il n'y a pas de serpents.
S'il y a du sable, il y a des serpents. Parce que l'île d'avant, on a pris les cochons, il n'y avait pas du tout de sable. Je sais pas si t'as remarqué. Du moins très peu. Ah oui, d'accord, ouais, c'est plus en forêt. Ça. Donc on cherche. Je sais même plus ce qu'on cherche. Un noir, je crois. Hein. Noir. Écaille noire, ouais, c'est ça. Écaille noire. Ok. Donc on va appliquer la règle de. Ah, si c'est pas le serpent qu'on cherche, on le liquide. Ok. Ouais. Au revoir, monsieur. Ah, j'entends siffler. Voilà. Toi, oh, t'es un. De capitaine, comme non. Ça, mais posé. Genre, oui, prends-moi mais... s'il te plaît, quoi. C'est du total. Ils ont rajouté beaucoup de déco, je trouve, sur les îles. Enfin, il y a plein de trucs que j'aime bien. C'est quoi? C'est un reflet bleu. Tu n'es pas mon ami. Max de poulet. C'est pas le serpent que je voulais. Il y a un autre serpent là? C'est le reflet bleu qui est encore vivant. Mon dieu. C'est le reflet bleu qui est encore vivant dans un pixel vengeur. Ça, c'est un autre reflet bleu. Laisse-moi te chanter une petite comptine. Kiffe la petite comptine, voilà, bravo. Pendant que tu kiffes la petite comptine, coup de sable! Coup de sable dans la nuque! T'es le plus moche de tous les vertébrés, mec. Ah. Tellement relou, le putain de poison. Oh, mais encore un autre reflet bleu, quoi! Ouais, je vais lui faire ça aussi. Des planches, des planches. Avec les poudres. Un jaune. Vous me saoulez avec vos serpents là, nul. De crâne. Crâne qui fait de la fumée. Ah, à lire les contes de Bill Quartier Maître. Dans chaque port, la réputation de Bill Quartier Maître le précédait. Il était victime de moqueries car aucun voyage avec un bon prix ne se terminait. Toujours un rival le repérait et quelle que soit la prise, la lui volait. Un jour, Bill s'éveilla naufragé sur une distance, sur une distante île et tendit vers sa chope une main fébrile. Il fouilla le sac sec, désabusé, et ses doigts décharnés trouvèrent par mégarde un fragment de carte fatiguée. Taché déchiré, le parchemin disait l'emplacement de coffre tant désiré. Prendre la vieille carte de Bill, quartier maître. Ça me fait plaisir. Allez. Il faudrait qu'on aille sur Sailor's Bounty. Voilà, tu sais tout. Oh monsieur. Ça marche. Ah, ça va être lui. Oh, c'est toi. Dis-moi que c'est toi. Allez, caille noire. Bingo. C'est bon, je l'ai. J'ai le petit pote qui va bien. Non, t'es calme. Moi, j'arrive. Ah, c'est la connard. Voilà. Hop là. Je vais montrer le coffre de capitaine. Tout est à bord, monsieur. Partons quand vous voulez. Paris, c'est quand vous voulez. Oh, tu peux le laisser en bas, on va arriver à l'avant-poste, hein, mec. Hein. Laisse-le en bas. Hein. Va pas à l'avant, il y a le serpent par contre. Voilà. On va direct à l'avant-poste, on va vendre notre serpent et c'est réglé. Emballé, c'est pesé. Voilà. Je vais déposer mon matos. De l'obus.
Ah, par contre, en obus, ça fait plaisir. Il y en a un qui est presque à 100. Commence à faire grand plaisir. C'est moi que j'ai repéré un petit trou là, non? J'ai à moitié les pieds dans l'eau. Non, c'est une illusion d'optique. D'accord, bruit de flotte, mais il n'y a pas de flotte. D'accord. Oui, le jeu. Je vais peut-être nous mettre le baril un petit peu plus loin quand même. Paf, sur la grille, en plein mid. Que ça ne nous explose pas non plus à la tronche, il y a un malin qui fait le kéké. Ou un kéké un peu malin. C'est tout ça. Ouais, rien. Je pense que tu peux redresser, monsieur. Bon, j'essaye de le prendre le vent avant. Ah oui. Voilà. Bon, on est sous le vent. On peut avoir la nouvelle. Dans la news. Faut que tu redresses un peu sur la droite, maître Bob. Rap des pirates. Je pourrais pas t'aider à jeter l'ancre. C'est à droite. Tu veux me la plonger sous-marine, le serpent. T'as l'air de t'en battre un peu les couilles. Le choix. Est-ce que je t'ai réveillé un petit peu? Eh, c'est plus mon problème, t'es vendu. Va te faire foutre. Ah, salut. Voyage terminé. Ouais, ça s'est fait. Incredible. T'as pris le coffre? Ouais, je l'ai. Je l'ai en main. Juste que j'aille voir un truc avant. Pas. Je me rappelle plus du tarot, du chapeau que je veux. Oh, ça doit être quelque chose comme 1 ou 2 millions de pièces d'or. Juste la plume. Non, dans mon souvenir, c'est 14 000. Ce qui est déjà pas mal en vrai. C'est... carrément. Ouais, 24-22, ouais, ce serait bien qu'on fasse un petit peu de coffre en or encore. Pour notre plus grand bien. Ce coffre de capitaine, il a payé, mais avec amour. Avec amour, il nous a rémunérés. Hein. J'ai oublié de prendre du stuff avant de sauver... quitter cette île. Vite, vite, vide. Attends, on a commencé à tout trousser comme des gros sacs. Il y avait pas, hein. Excuse-moi, tu disais? Il y a des nouveaux accessoires. Ah. Accessoires, vêtements. Oui, il y a des nouveaux fonds de cale maintenant. Il y en a normalement. Pas beaucoup, hein, mais il y en a quelques-uns. Je vois des tenues orange en plus. Orange. Formidable. Toujours pas pour acheter mes voiles et la coque, donc moi je claque plus un billet, c'est mort, c'est fini, l'argent c'est plus moi qui le dépense, pas plus dans les fringues. Ah mais donc c'est bon, je suis fou. Faut que je change de choix alors. Bon, ça fait plaisir le fait qu'ils aient quand même introduit un peu de nouveaux PNJ. Oula! On va prendre un coup de foot sur le bateau.
On vient de prendre... Ouais, ouais. Tu peux te prendre la foudre. Ah, ça y est, l'événement crâne est terminé. Le crâne a été levé. De Watchtower. Donc voilà, 800% on prend la flotte. Allez. Où qu'on prend la flotte, monsieur... Là-haut? Ok, bon, c'est là-haut qu'on... Non, même pas. Ah, donc la foudre nous a rien fait. Ah, c'est rigolo, la foudre ne nous a rien fait parce que genre on n'est pas sur le bateau, genre, ou un truc comme ça. C'est... On sait pas. Mais c'est style. Ah, j'étais pas full banane, en fait. Barre, tu vis ta vie, c'est ça? Oh, ouais, elle vit sa vie. Comment? Non, je disais notre barre vit sa vie. Normal. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que je nous mets tout de suite une... Je nous dépose une quête? Une idée de projet? Qu'en penses-tu? Si tu veux. Quoi comme quête, dis-moi? Peu importe. Bah écoute, moi je suis pas loin de mon grade 25 en coffre. Donc j'ai posé une quête de type coffre. Une quête qui met toujours d'accord. Je me demande quand même où doit se trouver le trône noyé. C'est ma grande question. Est-ce que ça serait pas au centre de la map? Je crois qu'il y a une île qui est pas indiquée sur la carte au centre de la map. Après je sais pas. Je m'avance peut-être un peu. Alors. Oh. Ceci étant dit, Maître Bob. Oui. Tu dis au revoir aux gens. Au revoir. Allez, des bisous, on vous dit à la prochaine. Technofunk sur comme d'habitude gaming avec la MR Petrock Télévision pour Sea of Thieves. Ciao.